Bonjour à tous! Welcome to Learn French with Escargot. In today's video, we will learn how to use prepositions in a sentence. Some of the words are also what we call locutions prepositive in French and adverbs, but let's keep it simple. Please note that some words may have multiple meanings or uses in different contexts. Are you ready? So let's start. To, at, in, A ah, ah. Ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage. J'ai oublié d'acheter des timbres à la poste. J'ai oublié d'acheter des timbres à la poste. Oh. Ils sont au stade de foot. Ils sont au stade de foot. Nous sommes allés au théâtre. Nous sommes allés au théâtre. O a de plural forme. O. Mes parents vivent aux États-Unis. Mes parents vivent aux États-Unis. Mon frère aime aller aux courses de chevaux. Mon frère aime aller aux courses de chevaux. Off, from, de, de la vitesse de cette voiture est incroyable. La vitesse de cette voiture est incroyable. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Paris. Off from. Du, du, la couleur du ciel était magnifique. La couleur du ciel était magnifique. Elle est originaire du Cambodge. Elle est originaire du Cambodge. in into dans dans les clés sont dans le tiroir les clés sont dans le tiroir il a marché dans une flaque d'eau il a marché dans une flaque d'eau Inside. À l'intérieur de. À l'intérieur de. Le chat est à l'intérieur de la maison. Le chat est à l'intérieur de la maison. Ma valise est à l'intérieur de la voiture. Ma valise est à l'intérieur de la voiture. On, upon, sur. Ton portefeuille est sur la table. Ton portefeuille est sur la table. Vous pouvez déposer le paquet sur... Le bureau. Vous pouvez déposer le paquet sur le bureau. Under, beneath, below, sous, sous. Mon téléphone est tombé sous le canapé. Mon téléphone est tombé sous le canapé. Ils ont trouvé un dinosaure sous un site romain. Ils ont trouvé un dinosaure sous un site romain. In front of, devant ma voiture, égarée devant ta maison. Ma voiture égarée devant ta maison. Ils nous attendent devant le parc. Ils nous attendent devant le parc. Behind, derrière, Lucie, se cache derrière l'arbre. Lucie se cache derrière l'arbre. Il y a une abeille derrière les rideaux. Il y a une abeille derrière les rideaux. Before, avant, leur magasin se trouve juste avant la poste. Leur magasin se trouve juste avant la poste. Je vais lire un peu avant de dormir. Je vais lire un peu avant de dormir. After. Après. Le ciel s'est éclairci après la tempête. Le ciel s'est éclairci après la tempête. Je vais rentrer à la maison après le travail. Je vais rentrer à la maison après le travail. Between entre, il y a une rivière entre les deux collines. Il y a une rivière entre les deux collines. Vous pouvez venir entre treize heures et quatorze heures. Vous pouvez venir entre treize heures et quatorze heures. Nir close près de près de mon appartement est près d'une station de métro mon appartement est près d'une station de métro leur magasin se trouve près du marché leur magasin se trouve Près du marché. Far from, loin de. J'aime le calme, j'habite loin de la ville. J'aime le calme, j'habite loin de la ville. Est-ce que ta maison est loin d'ici est-ce que ta maison est loin d'ici Oui. Avec. Avec. Ils sont allés en Espagne avec leurs parents. Ils sont allés en Espagne avec leurs parents. Bien sûr, tu peux venir avec ton chien. Bien sûr, tu peux venir avec ton chien. Without. Sans. Sans. Mince. Elles sont parties sans parapluie. Mince. Elles sont parties sans parapluie. J'ai couru sans eau. C'était dur. J'ai couru sans eau, c'était dur. Fort. Pour. Pour. Ils ont acheté des fleurs pour leur mère. Ils ont acheté des fleurs pour leur mère. Martin étudie pour son test de français Martin étudie pour son test de français. By par par ce repas a été préparé par ma femme. Ce repas a été préparé par ma femme. Cette chanson a été écrite par Alain Souchon. Cette chanson a été écrite par Alain Souchon. At Someone's Home, chez, chez, je serai chez vous dans une heure. Je serai chez vous dans une heure. Nous mangeons chez mes parents ce soir. Nous mangeons chez mes parents ce soir. In, on, en, en. Le vase se trouve en haut de l'armoire. Le vase se trouve en haut de l'armoire. Ils habitent en Angleterre. Ils habitent en Angleterre. Towards, vers, vers. On est retourné vers le parc. On est retourné vers le parc. J'ai j'ai peur, un chien est venu vers moi. J'ai eu peur, un chien est venu vers moi. Since for depuis depuis Paul habite en Allemagne depuis cinq ans. Paul habite en Allemagne depuis cinq ans. Depuis ton départ, tu manques à tout le monde. Depuis ton départ, tu manques à tout le monde. During, for, pendant, pendant, Martine a dormi pendant le cours de musique. Martine a dormi pendant le cours de musique. J'ai cru voir un fantôme pendant deux secondes. J'ai cru voir un fantôme pendant deux secondes. During, for, durant, Durant... Mon chat a ronflé durant la nuit. Mon chat a ronflé durant la nuit. Il a fait chaud durant tout l'été. Il a fait chaud durant tout l'été. Until... Jusqu'à... Le magasin est ouvert jusqu'à 20h. Le magasin est ouvert jusqu'à 20h. Ils ont fait la fête jusqu'au matin. Ils ont fait la fête jusqu'au matin. In front of, opposite. En face de en face de il y a une école en face de notre maison il y a une école en face de notre maison je vous attends en face du Starbucks je vous attends en face du Starbucks against Contre, contre, il est interdit de s'appuyer contre la barrière. Il est interdit de s'appuyer contre la barrière. Mon fils s'est cogné la tête contre un mur. Mon fils s'est cogné la tête contre un mur. Around, autour de, autour de, il y avait du monde autour de nous. Il y avait du monde autour de nous. Les statues autour du palais sont magnifiques. Les statues autour du palais sont magnifiques. Among, parmi, parmi, je n'ai pas pu vous trouver parmi la foule. Je n'ai pas pu vous trouver parmi la foule. Des oiseaux se cachent parmi les arbres. Des oiseaux se cachent parmi les arbres. Above, au-dessus de, au-dessus de, ta veste est au-dessus de la mienne. Ta veste est au-dessus de la mienne. Un avion est passé au-dessus du champ. Un avion est passé au-dessus du champ. Below, beneath, en dessous de, en dessous de, leur niveau est en dessous de la moyenne. Leur niveau est en dessous de la moyenne. Une grotte se trouve en dessous du temple. Une grotte se trouve en dessous du temple. In the middle of, au milieu de, j'ai vu un hérisson au milieu de la route. J'ai vu un hérisson au milieu de la route. Elles sont installées au milieu du marché. Elles sont installées au milieu du marché. Next to à côté de à côté de mon chat aime dormir à côté de moi mon chat aime dormir à côté de moi on peut se retrouver à côté du magasin de sport on peut se retrouver à côté du magasin de sport Outside, dehors. Tu peux appeler le chien, il est encore dehors. Tu peux appeler le chien, il est encore dehors. Julien est dehors, devant la porte. Julien est dehors, devant la porte. Inside, Inder, dedans, dedans. Les clés sont dans le tiroir? Oui, elles sont dedans. Les clés sont dans le tiroir? Oui, elles sont dedans. Tu es dans la voiture? Oui, je suis déjà dedans. Tu es dans la voiture? Oui, je suis déjà dedans. At the end of, au bout de, ma maison est au bout de la rue. Ma maison est au bout de la rue. Il y a une cascade au bout du chemin. Il y a une cascade au bout du chemin. on top of en haut de en haut de mon chat est coincé en haut de l'arbre mon chat est coincé en haut de l'arbre ils ont installé une lampe en haut du poteau ils ont installé une lampe en haut du poteau Despite, malgré, malgré, ils ont gagné la course malgré la chaleur. Ils ont gagné la course malgré la chaleur. On est allé se promener malgré la pluie. On est allé se promener malgré la pluie. In spite of, en dépit de, en dépit de, ils sont heureux en dépit de leurs problèmes. Ils sont heureux en dépit de leurs problèmes. Ils doivent travailler en dépit du froid. Ils doivent travailler en dépit du froid. Long, le long d'eux, le long d'eux, Laura aime marcher le long de la plage. Laura aime marcher le long de la plage. Il y a des crocodiles le long du fleuve. Il y a des crocodiles, le long du fleuve. Because of, due, à cause de, à cause de, je suis malade à cause du repas de midi. Je suis malade à cause du repas de midi. Ils sont fatigués à cause de leurs horaires. Ils sont fatigués à cause de leurs horaires. Because of, en raison de, en raison de, le match est annulé en raison de la pluie. Le match est annulé en raison de la pluie. La sortie est annulée. En raison du brouillard. La sortie est annulée en raison du brouillard. Except, unless, sauf J'ai tout préparé sauf le dessert. J'ai tout préparé sauf le dessert. Mes parents, Arriveront à l'heure sauf si le train a du retard. Mes parents arriveront à l'heure sauf si le train a du retard. Except for, à l'exception de, à l'exception de, tous les étudiants ont réussi à l'exception de Marie. Tous les étudiants ont réussi, à l'exception de Marie. Tous les invités étaient à l'heure, à l'exception de Paul. Tous les invités étaient à l'heure, à l'exception de Paul. À part, à part. Je ne connais personne ici à part Franck Je ne connais personne ici à part Franck À part cette faute le reste est correct À part cette faute le reste est correct In favor of En faveur de la direction a voté en faveur de cette proposition. La direction a voté en faveur de cette proposition. Nous avons signé une pétition en faveur de l'environnement. Nous avons signé une pétition en faveur de l'environnement. Through across, à travers à travers J'ai marché à travers la forêt pendant des heures J'ai marché à travers la forêt pendant des heures Ils ont voyagé à travers le pays en train Ils ont voyagé à travers le pays en train Regarding about vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, j'ai des doutes vis-à-vis -vis de sa sincérité. J'ai des doutes vis-à-vis -vis de sa sincérité. Luc reste modeste vis-à-vis -vis de sa réussite. Luc reste modeste vis-à-vis -vis de sa réussite. out of hors de ils ont dû sauter hors du bateau ils ont dû sauter hors du bateau certains poissons peuvent vivre hors de l'eau certains poissons peuvent vivre hors de l'eau regarding about à l'égard de à l'égard de ⁇ J'ai des doutes à l'égard de ses intentions ⁇ J'ai des doutes à l'égard de ses intentions ⁇ Il a une attitude positive à l'égard de ce projet. Il a une attitude positive à l'égard de ce projet. In the direction of, en direction de, en direction de, leur train se dirige en direction de Paris. Leur train se dirige en direction de Paris. Les oiseaux volent en direction du sud pour l'hiver. Les oiseaux volent en direction du sud pour l'hiver. Instead of, au lieu de, au lieu de, je voudrais du thé au lieu du café, s'il vous plaît. Je voudrais du thé au lieu du café, s'il vous plaît. Tu devrais étudier davantage. Au lieu de sortir. Tu devrais étudier davantage au lieu de sortir. Asphore. Quant à. Quant à. Quant à la réunion, elle est reportée à demain. Quant à la réunion, elle est reportée à demain. Quant au voleur, il a été arrêté. Quant au voleur, il a été arrêté. In order to, de façon à, de façon à, elle travaille dur de façon à réussir ses examens. Elle travaille dur de façon à réussir ses examens. J'ai réorganisé mon salon de façon à gagner de l'espace. J'ai réorganisé mon salon de façon à gagner de l'espace. Unless à moins de à moins de nous serons en retard à moins de prendre un raccourci. Nous serons en retard à moins de prendre un raccourci. Je ne peux pas acheter de maison à moins de gagner au loto. Je ne peux pas acheter de maison à moins de gagner au loto. In order to, afin de, afin de, il faut faire du sport afin de rester en bonne santé. il faut faire du sport afin de rester en bonne santé. julien porte des lunettes afin de mieux voir. julien porte des lunettes afin de mieux voir. that was the last one for today. thank you for watching. until the end. If you would like to support me, you can like the video or leave a comment and subscribe to my channel. It helps a lot. Merci beaucoup. Have a nice day. See you next time.